Salut, bienvenue dans le jeu de puissance. On va parler des équipes qui ont bien marché la semaine dernière, qui n'ont pas perdu un seul match sur les matchs qu'elles ont joué. Donc, quatre équipes qui ont joué entre 4 et 3 matchs et qui n'ont perdu aucun de leurs matchs. On commence tout de suite par les Canadiens de Montréal. Les Canadiens de Montréal qui ont joué 3 matchs, se sont imposés 3 fois. Il faut dire qu'il y a une bonne alchimie qui s'est créée entre les vétérans et les jeunes joueurs. Mike Hoffman a fait vraiment une très très belle semaine avec 4 buts pour lui, mais on peut toujours aussi attendre beaucoup des jeunes joueurs, du capitaine Nick Suzuki ainsi que de sa ligne, la ligne numéro 1 des Canadiens de Montréal composée de Cole Caulfield et Kirby Dach. D'ailleurs, Kirby Dach a marqué 4 points lors de cette semaine, 2 buts pour lui sur un seul match et 2 passes décisives en plus lors de la semaine. Suzuki, lui aussi, 4 points, 2 buts, 2 passes. Donc, on voit qu'il y a vraiment une belle alchimie. En plus, avec Kulé, qui est un très très bon défenseur, le meilleur défenseur pour l'instant, un jeune défenseur du côté des Canadiens. Une équipe qui est assez surprenante en ce début de saison. 3 victoires pour elle la semaine dernière. On va parler d'une autre équipe qui a 3 victoires sur 3 matchs. Une équipe qui avait été un peu plus en difficulté lors des semaines précédentes. Mais là, ça fait 4 matchs de suite qu'ils gagnent. 3 victoires donc lors de cette semaine, c'est les Kings de Los Angeles. Les Kings de Los Angeles qui ont une belle fiche de 7 victoires et seulement 3 défaites lors des 10 derniers matchs. Donc qui se sont vraiment bien repris, un beau début de novembre on va dire pour les Kings de Los Angeles. Un beau début de novembre pour les Kings de Los Angeles. On notera que lors du dernier match, Carl Gunnstrom a marqué un but très très rapidement. Il ne fallait pas être en retard, il ne fallait pas aller prendre sa bière avant de commencer le match. 9 secondes pile poil après le début du match, il a marqué ce magnifique but. Ce n'est pas lui qui détient le record de la franchise, c'est Dave Tiger William avec un but donc pour Los Angeles en 1987, c'était contre Hartford. Lui, il avait mis 7 secondes pour le marquer. Les Kings de Los Angeles qui sont vraiment en train de nous montrer de très très belles choses là aussi. On va passer à la troisième équipe qui a vraiment été incroyable cette semaine. 3 victoires pour elle aussi, mais c'est une équipe qui est vraiment très très en forme. 9 victoires d'affilée pour les Devils du New Jersey. Et oui, 9 victoires d'affilée pour les Devils du New Jersey. Et oui, vraiment, ils sont très très en forme. Ils ont battu cette semaine les Flames, ils ont battu Ottawa en overtime. Ottawa qu'on voyait plutôt à la place des Devils du New Jersey en ce début de saison. On pensait qu'ils allaient vraiment bien commencer cette saison. Et ben non, c'est les Devils du New Jersey qui nous surprennent. Et ils ont battu les Coyotes de l'Arizona, donc là un peu moins difficile. Mais vraiment une équipe qui est vraiment très intéressante à avoir joué, avec des joueurs comme Jack Hughes, qui vraiment est extraordinaire en ce début de saison. Jesper Pratt, Nico Hischier, les gardiens tiennent bien la route. Et Vitek Vanacek fait très très bien son boulot. Malgré le fait que Mackenzie Blackwood est blessé, on a vraiment une équipe solide. Dougie Hamilton, on retrouve le Dougie Hamilton des Hurricanes de la Caroline. Les New Jersey Devils qui vont sûrement se qualifier pour les playoffs. C'est vraiment très très intéressant du côté du New Jersey. Et la meilleure équipe de la semaine dernière, c'est les Boston Bruins qui ont gagné 4 matchs sur les 4 matchs qu'ils ont joués. Vraiment, les Boston Bruins qui sont extrêmement surprenants en ce début de saison. En plus, ils récupèrent petit à petit leurs joueurs qui étaient blessés. Brad Marchand est revenu il y a quelques semaines. Il a marqué lors de son premier match. Cette semaine, c'était Charlie McAvoy, le défenseur star des Bruins de Boston, qui est revenu alors qu'il était blessé. Et qu'est-ce qu'il a fait lors de son premier match? Il a marqué. Vraiment une équipe incroyable. Moi, je ne les ai pas vus beaucoup jouer. Il va falloir que je me penche vraiment sur cette équipe qui a réussi enfin à avoir de la profondeur. Les saisons dernières, ils n'avaient qu'une vraiment ligne très très impressionnante avec Pastrnak, Marchand et Bergeron. Et ben là, Pastrnak n'est même plus dans la ligne de Marchand et Bergeron. Il est dans la ligne de Taylor Hall et on a retrouvé de la profondeur. Les défenseurs sont bons. On avait des doutes sur les gardiens, mais les gardiens tiennent bien le choc comme Linus Ullmark lors du dernier match. Donc vraiment une très très belle équipe qui fait une très très grosse impression en ce début de saison.
Voilà, j'ai fait un petit tour sur les équipes super en forme pour la semaine dernière. Et ben, je reviendrai dans une autre vidéo pour les équipes qui, elles, n'étaient pas très très en forme lors de la semaine dernière. Et on va finir par cette image de Brendan Gallagher qui, dans une des victoires des Canadiens de Montréal, comme vous pouvez le voir, a été très très actif. On sait que c'est un électron vraiment très très nerveux du côté des Canadiens qui n'a pas peur d'aller dans les endroits où ça frotte, où ça tape. Et ben là, il est allé trop près de Demko et c'est parti un peu en live. Sachez que sur cette séquence, c'est les Canucks de Vancouver qui ont été pénalisés. Et oui, ils ont été pénalisés, c'est assez surprenant, mais bon, c'est comme ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou la partager. Moi, je vous dis bientôt, là, juste pour les équipes qui sont pas terribles. Allez, ciao!